Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. C'est magique, deux Zelda, sur Radio Mont Blanc. Venez ce jeudi à la salle Léon Cural à Salanches. Vous verrez ce que c'est que mettre le feu sur scène. Majid Cherfi avec nous. Bonjour Majid. Romain. Oui, c'est moi, Romain, de Radio Mont Blanc. Comment vas-tu? Eh bien, plutôt bien, plutôt bien. L'album est fini, la tournée va démarrer. Les beaux jours aussi, donc on se sent printanier. Eh ben, on va en parler dans quelques instants du nouvel album. Juste avant, donc j'ai dit, hein, ça fait plaisir que vous soyez comme ça par chez nous, que vous veniez ce jeudi à Salanches. Bon, le petit problème, je vous le dis les gars, entre nous, c'est que vous arrivez un petit peu trop tard. Trop tard, trop tard parce qu'il n'y a plus de neige. Vous n'allez pas pouvoir skier. Ça donne quoi, Majid, sur des skis? Ça donne quoi? Les gens rient assez quand on me voit passer. On a l'impression d'une espèce de masse, une espèce de yéti rigide sur deux bâtonnets. Il n'y a pas d'arrangement, pas de grimace. Zebda, c'est un groupe super festif. À chaque fois, on passe un bon moment. La preuve, tu vois, la dernière fois, j'étais à un mariage. J'ai demandé au DJ de balancer un petit peu de Zebda. Il m'a sorti, il n'y a pas d'arrangement. Ouais. Un petit tombé la chemise en plus, pour finir. Oui. Est-ce qu'elle a une histoire, cette chanson, Tomber la chemise? On l'a trouvée tellement banale dans sa création qu'elle a failli passer à la trappe. Et les mecs, je me souviens de Joël, notre bassiste, on va quand même pas mettre ça sur un disque, c'est pas sérieux, il disait. Bon, finalement, comme elle avait un côté très chaleureux, elle a été intégrée dans l'album, et puis après, on a vogué de surprise en surprise. D'accord. Et elle a eu un impact dans la vie même du groupe, hein, cette chanson? Oui, oui, oui. Après, les très gros succès posent toujours un problème aux artistes, parce que les gens ne se repèrent plus que sur le titre phare. Et c'est vrai que Zebda, autant on a une scène festive, autant on a une conscience, disons, pour traiter des sujets sociaux. Et donc ça a effacé un peu le volet social et politique du groupe et n'a mis en lumière que le côté festif. Et alors, le nouvel album, parce que ça, c'était le passé, même si vous allez forcément jouer et rejouer ces morceaux sur scène ce jeudi. Mais le nouvel album, Comme des Cherokees, il sortira quand, cet album? Il sort à la fin du mois d'août. D'où vient le nom Comme des Cherokees? C'est inspiré de quoi? Ben parce que c'est Mousse qui a eu cette idée, parce que en relisant tous les textes, enfin, il m'a dit, tu fais beaucoup référence aux peuples indiens, avec telle métaphore sur les Indiens par-ci, les Sioux, les Cherokees. Et sur 3-4 titres, effectivement, il y avait cette référence aux peuples indiens d'Amérique. Alors moi, j'ai écouté le premier extrait, Les Petits Pas, ouais, oui. Les Petits Pas, avec un côté funk qui est super sympa. Oui, 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 oui. Est-ce que ça donne le tempo de l'album ou c'est juste un morceau parmi tant d'autres? Ce qui fait le lien de tout l'album, c'est vraiment les guitares. On a bossé avec le guitariste du groupe FFF, qui est un des meilleurs guitaristes en France et qui nous a donné une dynamique très rock, beaucoup de guitares. Et donc sur tous nos styles, qu'ils soient reggae, funk ou rock, il y a un apport de guitare très fort. Donc c'est plus la guitare, je dirais, que le funk qui domine l'album. Est-ce que par rapport à Second Tour, est-ce que cet album est plus ou moins imprégné de politique? Parce qu'on sait que Second Tour, c'était vraiment axé politique. Est-ce que là, sur cet album-là, on retrouve le côté engagé et militant ou pas du tout? Oui, oui. Non, tout le temps. Dans tous nos albums, parce que finalement, c'est notre vie de tous les jours qu'on raconte. Donc, même quand une chanson est gay, il y a toujours une allusion. On a toujours ce regard un peu journaliste sur la société. Et donc, il y a toujours un parfum comme ça de conscience. Après, on y met le rythme ensoleillé. Quand on arrive près d'une scène, on laisse s'allumer comme ça la flamme. Objectif, feu d'artifice. Pas d'autre mot, quoi. C'est le bouquet final tout le temps. Oui, oui, tout le temps, tout le temps, voilà. Parce que la seule raison de la scène, c'est de se donner totalement ou ne pas y aller du tout. Nous, on a compris ça il y a très longtemps, que c'était un don de soi.
Et donc, où qu'on aille, objectif feu d'artifice. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc.